Hello les deux familles, c'est Pity, j'espère que vous allez bien, moi ça gaze. Alors comme vous voyez, je suis dans ma cuisine. Alors c'est vraiment tout rangé et tout propre, mais on ne va pas du tout cuisiner. Je vais vous faire un petit house tour parce que Valouz en avait fait un sur sa chaîne YouTube après une semaine et il y avait eu du grand changement dans la maison. Et là ça fait 6 mois, voilà, presque jour pour jour qu'on est dans cette maison. Je voulais vous montrer un petit peu l'évolution qu'il y a eu dans la cuisine, notamment dans le jardin parce qu'on a un bête de salon de jardin avec toutes les nouveautés qu'il y a eu. Donc on va aller voir Valouz, il va un petit peu me filmer tout ça. J'ai hâte que vous découvriez tout ça et dites-moi dans les commentaires ce que vous avez le plus kiffé. N'hésitez pas à mettre les petits pouces bleus et surtout à vous abonner. Et puis, générique. Je suis prête. Qu'est-ce qui est à l'envers? On est prêt pour en découdre en fait. Salut Michou! Vous faites toujours des bonnes signes chelous. Ça veut dire quoi ça? C'était nul ce qu'il a dit. Moi je trouvais ça cool. Mais de toute façon il est toujours dans le jugement. Il est tout le temps dans le jugement. Tu juges tout le temps. Mais même dans les vidéos de Balou, à chaque fois que tu dis que t'es des bonnes signes, tu me dis moi celle que je kiffe trop à chaque fois c'est: allez les gars, préparez vos bavoirs parce que ça va saigner. J'aime bien celle-là. T'as vu, mais je suis pas un caméraman moi. Bah non, c'est pas un caméraman. Là on est là mon gars. Bon bah je suis du coup pile. Attends, il y a le focus. Tu voulais dire un message mon petit Mich? Bah je voulais dire bonne vidéo. Allez t'es là t'sais. Allez, les pouces en l'air, les commentaires, les abonnements. Non c'est les pouces en l'air, les abonnements, les commentaires. Ouais. C'est pareil. Quand t'as fait la visite d'il y a une semaine, c'était pas du tout comme ça. Mon bureau. Ouais mon bureau gros. Mon bureau, frère! Mon bureau, frère! Ouais, ça commence à prendre la gueule, hein! Ouais, mais j'avais montré mon setup. Ouais? J'ai fait une vidéo, mon setup il a pas changé. Ok, de... bah nickel, je vous mettrai dans la barre d'infos en description du coup si jamais vous voulez retrouver un petit peu. Tu t'es pris la porte pièce. Ou pas? On l'a tous vu que tu t'es mangé la porte. Un petit peu. Je t'ai mangé la porte. Le garage, par contre, faites pas attention parce que avec les folies de Valouz et ses commandes, il y a plein de cartons. C'est tout le temps moi de toute façon le fautif. Bah voilà, du carton. Ouais, du carton. Ça c'est le côté apéro. Bah là, vu que c'est l'été, on est plus dans le garage, du coup, bah pour ça il y a des cartons. Parce que et l'hiver tout. En fait, c'était plus notre squat d'hiver en fait. Ouais, ça. C'est ça. Et je t'avouerais que du coup là, on prend un petit peu le garage en débarras et on préfère forcément être sur la terrasse. La salle des machines, ça a pas changé. La gamelle de mémé. Avec son petit set de table. Les bières, rapportant. Regardez là-haut. Ah, ça, c'est de la chope, hein. Mais ouais, mon gars. J'avoue que là, ça fait un peu garage débarras, mais suivez-moi, il y a de meilleures pièces. Bah là, tu fais donc, trop la meuf, genre en gros, tu veux me vendre une maison. Ouais, mais... donc c'est parti. J'habite dedans, en fait. Ça, c'est la salle de bain de Valouz, mais je pense pas qu'il y a eu du grand changement, ou peut-être la douche. Je l'avais pas. Ah, si, je l'ai montré, peut-être. Ouais. Regarde comme j'ai tout nettoyé, c'est tout propre. C'est beau. Nickel. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes plutôt team douche ou team baignoire. Moi perso, je kiffe les bains. Là, c'est la cuisine, il n'y a pas eu trop de changements, je pense. Il y a tous mes potes là que je kiffe trop. Regarde le petit Mich, il y a ma petite Deux, il y a Doc, il y a Pimpus, mon frère. Tu sais pourquoi j'ai mis ça? Oh, mais regardez celle-là, je suis mort. Il est là le Mich. J'ai mis ça, c'est pour forcer un petit peu Valouz à faire la vaisselle, tu vois. Comme ça, moi, il voit du beau monde. Suivant. Et ça lui donne un petit peu plus envie. Pas mal ce four. Ouais, il est un peu crade, faut que je nettoie. Tiro surprise, il y a quoi dans le frigo? Pas grand chose. Ouais, y a pas grand chose. Hein. Ouais, pas grand chose. Et regardez ce que j'ai acheté, c'est beaucoup trop drôle. C'est genre un. Comment on appelle ça? Un pot. C'est un magnet en pot de fleurs. Un magnet, tu dis? Un magnet. Un aimant, quoi. J'ai trouvé ça trop choupi et en plus, si t'as acheté ça, ça a reversé une partie à une association, je sais pas quoi, donc je l'ai acheté. Allez, je te suis. Voilà, suivant. Alors là, par contre, ça va être le gros débat parce que regardez-moi toutes les paires de Yeezy de Valouz. Il y a plus de pommes que moi. Mais et vous verrez qu'il y a même plus de pommes que moi. En vrai, j'ai même pas envie. En fait, en gros, je commence, j'avoue, tellement en accumulé. On cache. Je pense que j'en ferai peut-être une vidéo. Ouais. Bah si les gens sont chauds. Ouais, j'avoue. Dites-le-moi dans les commentaires si vous êtes chaud en vrai. J'avoue, c'est pas du tout mon style, mais posez question. Le salon que vous avez dû sûrement déjà voir, mais là qui est un petit peu plus rangé tout ça, avec forcément ma petite doudouce. Ça va mon bébé? C'est ma mère. C'est ma mère, ouais. Ouais, le salon, il n'y a pas grandement évolué en vrai. Changer de canapé. En fait, il pue. Ouais, il sent les chiens en fait. En fait, c'est l'abri de Mustang. Ouais, et du voilà. Coup, il sent Mustang. C'est la niche de Mustang. C'est vraiment, c'est sa niche, hein. C'est son lit. Pourtant, tous les mois, je la stick et tout, je mets. Regarde. Voilà. Là, il est dans son lit, là. Ça y est. Là, ça y est. Il dit ah. Il est dans son lit.
Non mais c'est vrai, attends, je vais le sentir. Non mais les plaids ils sentent bon. Ah non, bah non, ça va là. Mais je l'ai lavé il y a pas longtemps. Mais même j'aimerais bien en avoir un tout petit peu plus profond. Quand on regarde la télé, je suis obligée de la mettre en couchette. Ça prend trop de place, donc au pire en acheter un autre, mais un petit peu plus large en profondeur. Ça bah du coup c'est les nids des dosis. Ils sont jamais dedans. Avec des ballons, parce que pourquoi il y a des ballons? 4 ans. Ils sont dans les paniers uniquement quand ils sont punis. Quand ils sont punis, ouais. C'est quand il sait qu'il a fait une bêtise, je fais Mustang, et là il va dans son panier. Regarde là comment il veut faire son intéressant. Oh non 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 non. Oh là là, je les aime trop. Alors ensuite. Wesh. Mais Lucifer. Qu'est-ce que t'as fait gros? Mais attends, mais c'est quoi ce carton? Il était où à la base? Bon, il y a Mustifoui qui nous suit. Mon bureau, parce que c'est là où je travaille du coup quasi tout le temps en fait. Bah ça, je pense qu'il l'avait déjà vu. Il n'y a pas de changement. Hein. Il n'y a pas de changement avec la licorne de Dobby. Parce que à notre crémaillère, Dobby avait ramené sa licorne et il l'a oublié. C'est mon coin un petit peu, je fais du montage, tout ça. Et c'est la licorne de Dobby. Reviens. Bah voilà, on est à la pièce suivante, la chambre. Les dozos, ils ont pas le droit d'aller dans le lit, parce que ça, c'est vraiment quelque chose qu'on ne veut plus. Ça met trop de poils. Donc ça, voilà, c'est la petite couchette de Mustifoui. Avec Jules. Mon petit cadre avec Loustic. Faudrait qu'on l'accroche d'ailleurs. La salle de sport, et regarde là comment c'est une fournaise. Mais attends, c'est quoi cette chaleur? T'as vu? En fait, l'avantage, c'est que bah, l'hiver, il fait archi frais. Là, tu peux pas faire de sport, là. Ouais, et l'été, il fait archi chaud. Ah, je pensais que degrés, ça allait vraiment être frais ici, même pendant l'été, et au final, c'est fournaise de chez fournaise. Voilà, voilà, et Mustifoui, du coup, bah, il mange... Regarde, à différentes températures. Tu saoules, Mustang. Alors là, bah, du coup, c'est les chiottes classiques. Au moins, on n'est pas obligé de descendre quand on dort et qu'on a envie de pisser. Et ça, c'est le dressing. Alors, le dressing, forcément, c'est le même, mais 6 mois plus tard, il y a un petit peu plus de fringues de Valousse, quoi. Loustic, je pense que tu peux partir au moins 6 mois, t'es équipé, t'as tous les fringues nécessaires. C'est ma collection de maillots de foot. C'est ouf, et ça c'est juste ma partie, donc moi j'ai que ça. Donc on dit que les femmes, au niveau des fringues, on est amené à avoir plus de choses. Là pour le coup, c'est Valouze qui est 100% au-dessus de moi. Ah. Voici Loustic qui va dans sa couchette. Regardez, là. Il prend Jules. Tu veux chercher Jules ou quoi? Eh, ça c'est sa peluche du ici en haut. Ouais, c'est vrai. C'est ça. Jules. Voilà, c'est pour ça qu'on l'appelle Jules, c'est Jules. Et franchement, sa peluche, elle est toujours ici. Elle est jamais en bas. Il aime bien Loustic. Ça, ils l'ont pas vu. Alors, ça, c'est la chambre d'amis. Oh, il fait bon ici. Il fait bon. Ça, c'était notre setup dans notre ancien appartement. En fait, c'était notre coin salon qu'on a mis dans la chambre d'amis. Et du coup, regardez, ce qui est hyper drôle, c'est qu'en fait, dans la chambre d'amis, on a plein de petites pancartes de différentes couleurs. Et en fait, chaque personne qui dorme là, eh ben, ils doivent mettre leur nom sur le mur. Vous pouvez voir qu'on n'a pas eu beaucoup d'invités pour le moment. Là, il y a C'est le terre-terre, 100% Dume dans le Dex. Enfin voilà quoi. Il laisse des petits mots. Moi, ah, salto avec un poteau, là, écrit. Ouais. Je sais pas qui c'est. C'est Dobby, ça, non? Et là, il y a Miku. Très bonne note. Motherfuck is me. Ah, salto avec un poteau. Je sais pas c'est qui. C'est Doc? C'est pas Doc? C'est peut-être Doc ou Dobby. Ça fait un petit mur à souvenirs, c'est marrant, donc voilà. Un petit peu le coin des invités. Mustang. T'es pas un invité, Mustang. Hein. C'est pas une couchette, en fait, ici. En fait, la vidéo, c'est principalement sur Mustang. Mustang, il veut trop Mustang faire son intérêt. Dans la maison. Regarde, il veut trop faire son intéressant. Yeah. Et t'as vu, il prend pas Jules. Ouais, il est où, Jules? Il l'a laissé là? Ouais, Jules, il reste en haut. Jules, il l'a laissé dans la chambre d'amis, ou? Ouais, Jules, il reste en haut, en fait. Au bout de 6 mois, je trouve qu'on a quand même de choses qu'on a meublé et tout, même si bah il manque encore pas mal de trucs. Bah si vous l'avez vu dans les dégustations de Valouze, c'est la bête. Putain mais c'est lourd hein, incroyable. Regardez-moi ce bel œuf. C'est son barbecue quoi, c'est son bébé. Alors il s'est fait un petit plaisir, donc je me suis dit bah moi pourquoi pas me faire plaisir aussi. Regardez ce que j'ai acheté. Un petit jacuzzi gonflable. J'avoue qu'il s'est un petit peu dégonflé là avec la chaleur. Mais en fait quand tu mets l'option bulle, apparemment ça se regonfle un petit peu. Donc on passe un petit peu nos fins de soirée ici et c'est vraiment pas mal. Je suis vraiment trop contente. Je pense que je vais aller dedans juste après. Il fait le bon temps de Bretagne là. Ça bien évidemment c'est pour manger dans le jacuzzi en fait. Ouais. Un petit plateau charcuterie là. Ça c'est spécial Valouze ça. C'est trop cool. Notre salon de jardin, en vrai, il est trop cool. Et là, on veut mettre une table. Ouais, on va mettre une manger. Table à manger, ouais. Et on a acheté des parvus, bah regarde. Ah ouais, les gars, on a un souci, en fait. Mais en gros, il y a des gens qui ont déjà trouvé notre adresse. Et du coup, bah, on a pris des parvus. Et c'est un truc que tu mets de là à là-bas. Et qui font 2 mètres de hauteur et qui cachent la vue, en fait. Ouais, si jamais il y a des bricoleux dans la vidéo, en fait, on doit percer sur la terrasse. Ah, mais t'inquiète, il y a Doc. Doc, il l'a déjà fait. Il y a Doc. Ouais. Nickel, alors. Cimer, t'es le boss. Donc voilà un petit peu le house tour de chez Pidi et Valouze, après 6 mois, au bout de 6 mois,
On a quand même un beau cocon. 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 Un cocon. Un cocon familial. Bah moi je kiffe hein. On juste pas mal, là. Bah les abos. Les abos franchement on vous kiffe hein mais. Ouais c'est vrai. Ça nous fait toujours plaisir de vous voir et tout, mais tous les jours on a des mots dans notre boîte aux lettres, donc ça encore c'est pas trop dérangeant. Mais le pire c'est les abonnés qui viennent sonner et on qui demande disent... des photos. Ouais, ouais on veut des photos. En vrai, c'est cool. Oui, c'est ça cool. Un beau message. On est content mais... et tout, mais c'est notre vie privée, ouais, c'est notre famille. Ouais, voilà, t'as plus trop de chez toi. Après, c'est notre faute, hein. On bah, c'est ça. On monte la maison et tout. Oui, genre... voilà, c'est ça, mais c'est pas contre vous ni rien, mais c'est juste que quand on vous voit dans la rue, y a pas de souci. Mais quand on est chez nous, c'est un petit peu plus différent, tu vois. Je faisais aussi cette vidéo pour vous faire partager un petit peu notre petit ressenti là-dessus. J'espère en tout cas que ça vous aura plu, même si Doudou, ça n'était pas souvent là dans la vidéo. Bah, c'est mes mères, hein. C'est vrai. Je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à mettre les petits pouces bleus et surtout à vous abonner. Prenez bien soin de vous et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Ah, boule de français. Boule de français. Il aime pas.